Bonjour, dans cette vidéo, en utilisant le produit vectoriel, on va déterminer l'équation d'un plan et ensuite on va déterminer la distance entre un point et une droite. Restez avec nous. Nous allons déterminer l'équation d'un plan défini par trois points qui ne sont pas alignés en utilisant le produit vectoriel. Puis, on va calculer la distance d'un point à une droite. On commence tout d'abord par déterminer l'équation d'un plan défini par trois points non alignés. Comme propriété, A, B et C sont trois points non alignés dans l'espace. Donc, le vecteur AB vectoriel AC est normal au plan A déterminé par ABC. Autre propriété, si on a les trois points ABC qui ne sont pas alignés dans l'espace, donc le point M appartient au plan ABC si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs AB vectoriel AC et AM est égal à 0. Comme exemple, on considère trois points A, B, C tels que les coordonnées sont mentionnées ci-dessus. On s'intéresse à déterminer d'abord les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC, puis on va déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. Alors tout d'abord, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC en utilisant la méthode précédente. Donc on trouve que c'est égal à moins 6i moins 3j moins 5k. On pose ce vecteur obtenu, n, puisque c'est un vecteur qui est normal. Donc on a les coordonnées du vecteur n, c'est donc on a les coordonnées de ce vecteur, c'est moins 6, moins 3 et moins 5. Alors maintenant, on va déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. D'après la propriété, donc soit un point M de l'espace qui appartient au plan ABC, donc on a la propriété du produit scalaire des deux vecteurs AB vectoriel AC et AM est égal à 0. Donc, on va remplacer le vecteur AB vectoriel AC par le vecteur N, tel que les coordonnées du vecteur N et AM sont données, comme vous le voyez ici. Alors, il suffit maintenant de calculer le produit scalaire les deux vecteurs, n et m, donc moins 6 multiplié par x moins 1, moins 3 y moins 2, et moins 5 z plus 1. On obtient finalement 6x plus 3 y plus 5z moins 7 égale à 0. C'est une équation cartésienne du plan ABC. Alors maintenant, on va voir la distance d'un point à une droite. Comme on le sait sur le plan, la distance d'un point à une droite, c'est la distance entre le point et sa projetée orthogonale sur la droite. De même, sur l'espace, on a la même propriété. Donc, la distance d'un point M de l'espace à une droite D, passant par un point A et de vecteur directeur U, est donnée par la formule suivante. Comme exemple, on va calculer la distance entre le point M de coordonnées 3, 2, 1 et la droite D définie par sa représentation paramétrique donnée comme ci-suit. Donc, on doit d'abord déterminer un point de la droite D et son vecteur directeur. On prend le point A de coordonnées 1, 1, 0 et de vecteur directeur 1, 0, moins 1. Donc la distance du point M et la droite D, on va appliquer la propriété donnée. En appliquant la propriété, donc on doit tout d'abord déterminer le vecteur du produit vectoriel AM. En posant les coordonnées des deux vecteurs par la méthode mentionnée avant, donc on trouve que c'est égal à moins i plus 3j moins k. D'où la norme du produit du vecteur AM vectoriel U égale à racine de 11. Donc on a le U avec ses coordonnées, on calcule sa norme qui est égale à racine de 2, on trouve alors la distance entre le point M et la droite. Merci pour votre attention.